Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester le Black Goku Super ZUR, il est 100%, on a pris quelques doublons avec les DS rouges parce que de toute façon, enfin les DS rouges, les pièces rouges pardon, parce que de toute manière, bah mon compte Jap après la synchro je vais puis jouer, donc bon je me suis dit autant les utiliser, il m'en reste encore, hein, mais voilà du coup, il est maxé et vous allez voir les gars. Ah oui, le perso, il a ses défauts, hein. Mais les dingueries qu'on peut faire. Oh oui, finalement, le problème dans tout ça, ça va pas être tant lui. C'est plutôt la team Boss des Bess qui a encore pas mal de soucis. Mais de toute façon, j'en parlerai dans la conclusion. Mais en vrai, c'est incroyable ce qu'on peut faire, les gars. Et dites-vous bien que ce que vous allez voir dans cette vidéo, sur la globale, le perso sera encore meilleur offensivement. Parce qu'il y a un écart de stats de 1600 points entre l'attaque sur la Jap et sur la globale. Donc là, vous voyez les dégâts? Vous allez voir les dégâts. Et bah, dites-vous que ça sera encore mieux sur la globale. C'est impressionnant. Donc, vous allez voir. L'arbre de compétence rapidement. Full attaque sup. Un peu de crit en deuxième. L'esquive, vraiment, c'est abominable. Parce qu'il faut quand même subir 5 attaques. Et c'est ça la seule difficulté de son gameplay. 5 attaques, c'est pas rien. Il faut les prendre. Et dans certains combats, c'est pas toujours facile. Vous allez voir. Donc, si on commence à mettre de l'esquive, qui commence à esquiver une attaque par-ci par-là, ça devient infâme. Donc, faites comme vous voulez. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est pas du tout une bonne idée. Full attaque sup, il en a pas. Donc, s'il fait double spé, il double ses dégâts. Et autant vous dire que quand tu vois les valeurs qu'il tape, t'as envie de double spé. Oui, oui. Ouais, t'as envie. Ouais. Alors, vous allez voir que, bon, je vais peut-être pas tout laisser, mais vraiment, on n'a pas eu de chance. Hein, hier soir, quand on l'a testé, vraiment, il y a des moments, vous allez voir, je vais en laisser. Hein, où tout ce qui pouvait mal se passer, c'est mal passé. C'est impressionnant, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, encore une fois, la team boss des baisses, c'est pas encore tout à fait ça, même si on peut faire déjà pas mal de choses. Mais peut-être qu'en P2, on aura des ups intéressants pour être encore meilleur. Allez, sur son passe, au gameplay. Alors, attends, dans ces conditions-là déjà, on est à 1 100 000, mais ça, c'est sans la partie les attaques reçues, hein. Parce qu'en vrai, si voilà, il faut subir 5 attaques, hein, je rappelle, hein, pour avoir les autres 150, donc avec les autres 150, ça fait ça. Il faut subir 5 attaques, bon là, il y en a 3 déjà. Voilà, on a pris une dizaine de ki. Après, c'est... Alors, 11 millions, sachant qu'il avait subi 2 attaques, mais qu'on n'a pas boss et qu'il reste encore, il restait encore 3 attaques. Je sens que ça va faire mal hein, quand même. Hein. Bon, on va voir après, mais... Enfin, bon, après, évidemment, il n'a pas d'additionnel, hein, je sais bien, mais bon. Mais quand même, ça va lâcher une grosse attaque, quand même. Hein. Mais, verra après. Bon, faudra foutre un nuit super, après, pour avoir des meilleurs plateaux encore, mais... Kefula, tu fais rien, Kefula esquive, je sais pas. On va prendre, donc. Bon, on a pris 8 ki. Alors du coup, la partie qui se multiplie par rapport aux attaques reçues, par contre, ça reste. Hein. Ça reste, c'est visible avant d'attaquer. Après, il y a les 150 de nouveau, mais... Mais du coup, dans certains combats, tu peux largement tanker avec devant. Alors évidemment, ça, c'est limite, hein, faut pas déconner. Mais on n'est pas maxé, en fait. Là. On n'est pas maxé, il n'y a pas le terrain. Enfin, il y a... Il y a pas mal de trucs. Après, Rosé... Parce que le terrain, il dure que... Il dure pas très longtemps. Est-ce qu'on le fait maintenant? Peut-être pas faire maintenant, hein. Bon, Rosé, il va rien faire du coup, mais... Attends, enfin, je veux dire double 200, enfin, je crois. Hein. Attends, Broly, c'est... Non, mais Broly, c'est pas... Il lead à 200 Rosé, je crois, mais pas, pas Black Goku. Parce que si on active le terrain maintenant, il va vite s'arrêter, quoi. On va peut-être attendre un peu. Bon, bah... Ouais, si tu veux, hein. De toute façon, là... c'est pas un problème, hein. Il n'y a pas une énorme différence, mais juste pour dire que c'est pas le max. Voilà, c'est... Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais.
Ouais, c'est à peu près ce qui est, ouais. Ouais. 20 millions. Il n'y a pas encore le terrain. Il n'est pas tout à fait lead à fond. Et on a pris 8 keys, ce qui est... Ok, mais enfin, en vrai, on peut faire mieux. Hein. On peut faire mieux que ça. Hein. Surtout quand on sera face à un ennemi super, on va créer des keys rainbow et des keys endurance. Donc, on va faire mieux que ça. Hein. On va faire mieux que ça. Bon, là, il a récupéré encore du crit. Oui, c'est 20 millions une fois, mais 20 millions une fois, bah, si on crit, c'est quand même 40 millions, et si on double SP, ça peut faire 80 millions, donc ça reste bien. J'ai pas dit que c'est le plus gros cogneur du jeu. Hein. Ouais, avec le full plateau, ouais, mais ça, ouais, 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 bah, faudra, enfin, faut voir si on arrive à le faire avec les... Mais on verra, parce que c'est pas... Bon, après, de toute façon, ça sera un cas exceptionnel, mais... Mais bon. Putain, fait chier. Pour moi, il va reprendre du crit, quoi. Putain, il est déjà tour 6, quoi. ce combat, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Et un beau plateau. Bon. Je vais relancer après. Je vais faire le terrain, mais attendez. Juste, je regarde. Voilà. Donc là, on a pris quoi? 10 keys? Dizaine de keys? Sachant qu'en fait, là, il y a pas tout. Alors, encore une fois, on va pas vraiment jouer devant, en théorie, mais là, il n'y a pas tout, parce qu'en fait, il y a la partie... Il y a encore les 150, voilà. Donc là, en vrai, c'est plus que ça. Hein. Donc, x4. Et 10% de l'item mémoire. Bon, avec ça... Voilà, tu t'es... Bon. T'es pas mal. T'es pas mal. Tu peux presque tanker tout jeu sauf Gogeta, quoi. Et rappelez-vous qu'il est pas lead à 200 de mon côté. Mais bon, après ça... Mais bon, quand même. Alors, comment savoir j'ai combien maintenant? Bah, c'est simple, le terrain, il donne 20%. C'est pas mal. Bien sûr, c'est pas parfait, parce que c'est quand même dépendant du plateau. Y a... Bien sûr, mais... Mais, ok, d'accord, certes, mais... Quand tu vois ça et qu'on te dit « Oui, c'est le pire super éveil, il est totalement raté », ouais, d'accord, ok. Ok, ça doit être ça, ouais. Ça doit être à peu près ça, ouais. D'accord, les gars, d'accord. Ok. Ça doit être ça. Hein. Bon, bah, c'est parti. Hein. Il va taper combien sur la globale? Il va taper combien sur la globale? Il va taper 40 millions le truc. Ouh, sur la globale, ouh là là. Attendez, je vais vérifier quand même l'écart. C'est pas 2000, c'est moins, mais... Ouah, sur la glo... Alors d'ailleurs, Rosé Endurance, c'est vrai que bon, il se fait buffer hein, quand même. Avec le, bon, le support de def, quoi. Et sur la globale, il va... Allez, Rosé, mais fais des spé, là. Oh, combien? Ouais, 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 ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ah bah, bon, on fera après, mais... Combien? 24? Ouais.
Ah, sur classe. Bon, on a un peu moins de ki quand même. Mais bon. Hey, je peux spé. Hein. Y aller, Kifla, y aller. Ouais. Ouh, la doublette. C'est triste. Ah, les Kirinbo, il est content. Il est content, Rose et Endurance, là. Il est content, le frérot, là. Ouais, on pourra, ouais. Du coup, on va récupérer quand même un peu de... Ah! Ah oui, c'est vrai. J'oublie tout le temps, ce truc. Ouais, ouais, on va faire un truc après. On va faire un truc, vous allez voir. Ça va être marrant. Y aller, Rosé, y aller. Ouais, il fait des spés là. Là, si seulement la transfo de Rosé ne se stoppait pas, quoi. Alors là, ouais, avec un bon gros perso, on serait pas loin d'une très bonne team en vrai. Hein. Bah, évidemment qu'il rend Rosé meilleur, mais bon, ça change pas la problématique du terrain, quoi. Mais en soi, bien sûr, puisqu'on a plein de Kirinbo, on a le support qui aide un peu, donc oui, évidemment, mais... Mais le terrain reste chiant, en fait. Bon, les 20 millions avec 7 qui prie, c'est pas mal, je pense. Hein. Parce que là, on est blindé de crit, quoi. Là, j'ai pris 7 qui 20 millions. Il n'y a plus le terrain. En gros, bon, il tape 20 millions limite une fois que t'as pris tes 5 attaques. C'est du 20 millions par défaut. Quoi. Oh, mais tuez-le. Tuez-le par contre. Bon, c'est pas grave. À tout moment, Rosé, il va le kill. Je sais pas. Enfin, ça dépend du nombre d'attaques, mais... Ouais, tout doux, frérot. Laisse-moi, Black Goop. Voilà, c'est un bon indicateur ce qui vient de se passer, hein. Quand même. Je rappelle que l'aspect ici, elle est à 1 million 7, je crois. Avec l'avantage à 1.25, donc plus de 2 millions. Il a pris 0. Mais c'est pas, je peux vous donner valeur par le calcul, mais... Enfin, mais le problème, c'est que oui, voilà, on n'a pas subi des attaques, donc... Mais bon, enfin, y a pas les attaques reçues, quoi. Enfin, là, oui, dans mon calcul, oui, mais... Eh, mais attendez, attends, y'a combien d'attaques avant? Y'en a pas 5, je crois, mais y'en a quand même 4, hein, donc... Il va quand même décoller, quoi. C'est touché quand même, hein. Bah, c'est pas si mal! C'est pas si mal! Ah dommage, le critique. Bon après, évidemment l'item augmente le nuque, hein, donc c'est, il tape pas ça en full plateau sans ça, hein, sans l'item. Mais bon, on va essayer de se rapprocher d'un full plateau sans l'item. On va essayer. Mais... Ou alors avec Broly, mais ça, faut un peu de chance quoi.
Mais bon, c'est à vous de lui. Voilà, bon, c'est une petite idée, quoi. Et regardez, il a reçu l'attaque là, il a 111 millions affichés là. 111 millions affichés au compteur, les gars. Regardez. Full plateau, sans l'item de nuque. Full plateau, avec le terrain, je pense que. Tout à l'heure, on tapait 30 millions. À mon avis, ça doit lâcher du 50 ou 60, hein, je pense. Hein. En ces eaux-là. Hein. Ouais, ça doit être par là, hein, je pense. Hein. Plus ou moins 50-60. Évidemment, enfin. Ah oui, c'est vrai qu'on débuffe quand même, hein. Là, ça marche. Ouais. Ah oui, c'est vrai que Rosé peut pas le toucher. Et d'ailleurs, Rosé, en vrai, Rosé Endurance, c'est abominable sur ce combat parce qu'il va le booster comme pas possible. Et à côté, il sert à rien, quoi, tu vois. Ah, il va bien le booster, tu vois. Bien le booster. C'est horrible. Allez, vas-y, continue, vas-y, encore. Allez, vas-y, vas-y. Avec Attaque, elle va se faire toucher avec tout ça. Et si l'aspect est quand même physique, je crois, non? À moins que. Non, c'est vu qu'il y a une épée de ki. Mais non, mais justement. Non, je crois qu'on peut pas. Je vous jure, c'est. Ouais. Ouais, voilà. Il y a combien? Alors. Je rappelle qu'il manque 150% pendant l'attaque. Hein. Enfin, évidemment, c'est pas 150 de ça, mais c'est 150 parmi les autres 150. Mais enfin, ouais, on est à plus de 3 millions, quoi. Genre, c'est. Ouais. Rosé qui lui a donné, ouais, il a donné tous les bonus du monde, l'autre là. Mais allez. Ah oui, il était pas du tout maxé en fait. Bon, je crois qu'on a un peu sous-estimé le. Oh là 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 là, arrêtez-le, arrêtez-le. Ouais, en fait, je crois qu'on a un peu sous-estimé. Enfin, surestimé le nombre d'attaques. Je pense. Parce que mine de rien, ouais, il faut quand même qu'il subisse pas mal d'attaques. Hein, mais. Là, il a pas crit malheureusement, mais. Sinon, il le tuait clairement. Alors là, par contre, c'est le moment très drôle, hein, évidemment. Ah non, il est pas du tout maxé, en vrai. Bon, en vrai, ce qui est triste, c'est qu'on va limite peut-être crever à cause de ça, hein, parce que... Fais des autos, là, mais putain, mais... Là, là, il a fait que des spés, hein. Évidemment. Je crois qu'on se. Il y a complot, je crois, hein, au niveau du jeu là. Hein. Je crois qu'il y a un truc, les gars. Il se passe quelque chose. Hein. N'est-ce pas? Ah, ça y est!
Enfin un peu de réussite. Ça y est, j'ai le droit. Waouh, je suis choqué là. Ça y est, enfin un peu de réussite. Eh ben, il a fallu attendre un peu, hein. Waouh, merci le jeu. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, un petit peu de réussite. Tu peux le tuer, Kefla. Franchement, on n'a pas que ça à faire. T'as 2 spé en stock. Oh non, tue-le par contre, s'il te plaît. Tue-le, s'il te plaît. Non, vraiment. Ah ouais, bon, ça va. Ah ouais, il y aurait peut-être moyen de se faire plaisir avec... Oui, bah oui. Il y a peut-être moyen de se faire plaisir avec la régène de Black Goku, quoi. Oh, c'est encore pire. Wouah. On est vite mort, hein. Ouais. Bah, on est mort, hein. Je pense pas que Gatai prenne 0. Ouais. Ouais, je pense pas que Gatai prenne 0. M'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait énormément, ouais. Ouais, c'est chaud, hein. L'aspect, elle est pas si élevée que ça, là, hein. Vous avez vu ce qu'on prend? Donc ouais, Rosé, ça reste compliqué en vrai, hein, ça reste compliqué. Hein. Qu'il en soit, ouais, c'est chaud. Hein. Ce qu'on prend sérieux. Je crois que transformant, on aurait pu un peu moins, mais pas beaucoup moins. Hein. Pff, oh, merci Gattai de gérer, mais ouais, ouais, c'est... Bon, alors... On va dire que l'avantage de tout ça, c'est ça. Quand même. Donc voilà, le fameux full plateau, sans item de nuque. Bon. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage quand même de ce qui s'est passé. 2 800 000 du coup. Donc là, plutôt sérieux, quoi. Sachant que le terrain n'est pas encore actif. Bon, là, on va l'activer, hein, parce que tant qu'à faire... autant aller jusqu'au bout, les gars, hein. Voilà. Alors, mon ami Black Goku, 3 367 000. C'est solide. Sachant qu'il manque 150% après l'attaque, hein. Toujours pareil, hein, je vous rappelle. Donc là, en vrai, bon, alors, bon, on se fait le calcul, parce que tant qu'à faire... Ah oui, Broly, par contre, je sais plus, c'est combien le support... C'est combien le support de Broly, par défaut? Valide à 200, hein, ouais, mais bon, je vais calculer à 200, mais... Il est pas valide à 200. Alors, attendez, du coup, on a pris 23 ki, full plateau, donc ça fait combien? Bon, alors, full plateau, 23 x 60, 1380... bon, si je compte un support de Broly, 1380... 1420 plus 30 avec son support, 1450. Voilà, 1450, donc ça fait x15,5 si je ne m'abuse. Après, il faut faire x4. Après, 10% d'items mémoire et 20% de terrain. Voilà. Bon, évidemment, on n'aura pas tout le temps un full plateau, mais quand même. C'est marrant de voir ce qu'on peut faire, quoi. C'est... Voilà. 6 millions de def, quand même, sans item de nuque, qui augmente... Bon, c'est marrant de pouvoir faire ça, quand même. Imaginez une team, future team, où on peut jouer Bulma dans la même team, quoi. On le tue, parce que si on bro-bro... à moins que je prenne pas des keys... Attends, il y a quoi? Ah non, de toute façon, j'ai pas cette key, de toute façon. Ouais, parce que si je prends les ki offensifs. Ouais, mais on va le tuer, attends là, Rosé. Attends, si on le tue pas avec ça. Enfin, après, s'il crit pas.
Oh, s'il crit pas, on peut ne pas le tuer, hein, mais... Mais bon. Voilà, voilà. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Putain, le crit, frérot, non! Oh, putain, mais on n'a pas de chance ce soir, c'est horrible. On a vraiment pas de chance ce soir, hein. Vraiment, ça crit pas et tout. Mais voilà, je vous ai dit tout à l'heure, entre 50 et 60, bon, bah, 63 millions. Legit. Et ça veut pas crit, hein. Bah, en vrai, on va peut-être crever, hein. Franchement, on a vraiment aucune luck, hein. Vraiment, je vous jure, c'est horrible. Personne crit, c'est un délire, on se prend les pires trucs. Allez, Rosé, s'il te plaît, bouge ton cul, parce que... Parce que là, à la fin, on meurt, hein. On va mourir, hein. Priez pour l'esquif, quoi, mais... Allez, Rosé, s'il te plaît, là... Et là, il fait que des autos, évidemment. Alors que tout à l'heure, il... Non, mais c'est un sketch, sérieux. Oh, il va rester que dalle. Hein. 63 millions de barres de vie. Non, mais... Ah, merci. Mais... Bon, je vais même pas répondre, parce que ça me fatigue. Bon, le problème, c'est que... Enfin, c'est problème. On va dire, c'est que Rosé va kill amener lui tout seul. Hein. Alors d'ailleurs, Rosé, vite fait, on peut s'arrêter justement sur les valeurs, 382. Donc avant l'attaque, bah c'est... Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Il nous reste 680, ce que je vous disais, hein. Merde, c'est... Ouais. C'est tendu, hein. C'est tendu. On prend encore 300k sur une spé à 2 millions, hein. J'ai même pas compté plus, hein, mais... Il prend encore trop de dégâts en fait, Rosé Endurance. En fait, le problème c'est que, contrairement à des persos comme Topo, etc., Rosé n'est pas assez bon pour carry en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on galère en fait. Parce que, normalement, si le perso est vraiment bien fait, ton perso va carry, tu vois, et pas prendre 300k sur des spé à 2 millions, quoi. Et là, ouais, bah c'est ça, le problème c'est que. Mais du coup, je pense que Black Goku aura pas le temps d'attaquer. Hein. Alors, par contre, l'avantage, c'est qu'on va régénérer comme des fous, là. Oh là, putain, le seum. Oh, le seum. 1 700 000 avant l'autre boost. Bon, là, on tanque l'aspect avec de la def pure, quoi. Incroyable. Sauf que Rosé, du début jusqu'à la fin, il prend cher, quoi. Ah non, à part le premier tour, il a la garde, non, ouais. Mais après, c'est chaud, quoi. D'ailleurs, qu'il y ait le terrain ou qu'il n'y ait pas le terrain, c'est pareil. Hein. Bon, je pense que Rosé va le tuer. Hein. Ah ouais, j'aurais dû prendre peu de Kirin Bou, je suis con. Mais là, maintenant, il va le tuer. Encore que... Ah, ça dépend, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Il a bien tanké, il y a un Wiss actif, en fait. Eh oui. Ah là, il fait full spé. Hein. Je voulais voir l'attaque de Black Goku, mais là, c'est full spé. Hein. Évidemment. Alors pour le coup, j'aurais aimé qu'il attaque pas trop, mais... Merde, il va le tuer, là. Je pense qu'il y a encore deux spé derrière, là. Ouais, faudrait... Ouais. Comme c'est même un nouveau perso, ça changera rien. Ah ouais, non, mais là, par contre... Évidemment, niveau dégâts, par contre, c'est un délire, hein. Là, c'est quand même une illustration du problème des terrains. Parce que là, si j'avais le terrain, en vrai, Broly pourrait limite kill à lui tout seul. Hein. Sauf que, là, je peux pas. Hein, parce que le terrain, il y a le terrain de Rosé. Donc là, clairement, c'est une belle illustration de la problématique des terrains dans le jeu. Hein. C'est que là, tu vois, je vais perdre à cause de ça. J'aurais peut-être pu gagner, quoi. Mais là, je vais perdre. Parce que je peux pas faire le terrain de Broly. Donc, ça fait chier. Tu vois, si là, j'avais pu l'activer... J'aurais pu tenter un truc, mais là, voilà. Donc là, une très belle illustration de la problématique, hein, des terrains. Donc là, bon, voilà, donc pour l'instant, la team... la team boss des baisses, ça reste un peu compliqué à cause de ça, notamment. Hein. Ça reste un peu chiant. Alors après, parce que même si on joue... Enfin, même si on joue double Broly, si on a Rosé, qu'on joue double Broly, on peut faire ça. Bah, bon, déjà, Black Goku perd des stats, mais surtout, ça change rien au problème des terrains, en fait. Parce que t'auras deux Broly qui pourront pas terrain et t'auras ton Rosé qui va... Dans tous les cas, voilà, ça change rien au problème en fait. Ça change rien au problème. Donc du coup, la team boss DBS, en l'état, elle est
Alors évidemment, on peut faire pas mal de boss avec quand même, hein. D'ailleurs là on pourrait réussir avec un peu plus de chance, mais... Mais bon, enfin vous avez compris l'idée, c'est certes, mais du coup on est vraiment paralysé, c'est vraiment le mot, hein, à cause des terrains qu'on peut pas changer. Et du coup, bah c'est vraiment chiant, quoi. Parce que les meilleurs persos de la KT, ils ont le terrain, donc voilà, bah. Voilà, donc du coup on est un peu bloqué derrière ça, et c'est vraiment chiant, quoi. Donc bon, mais le truc c'est que ils ont pas prévu de mise à jour, hein, visiblement, donc. Voilà, donc pour l'instant, tout ce qu'on peut espérer, c'est d'autres personnages qui viennent aider, mais le problème, c'est que les autres persos vont pas aider au niveau des terrains, ça, on peut rien y faire tant qu'ils font pas de mise à jour. Mais bah, ça manquerait bien d'un bon gros perso, quand même, qui vient justement... parce que là, pour l'instant, la team, bah, le problème, c'est que... bah, en fait, il y a personne qui tank réellement devant. Enfin, on va dire que Golden le fait bien... jusqu'à un certain stade. Broly peut le faire s'il y a des ki, mais ça c'est pas sûr. Et Broly il le fait une fois transfo, sauf que on peut pas puisque on n'a pas le terrain, donc voilà. Enfin, vous avez compris l'idée. Et après bah voilà, parce qu'après Rosé pareil, il tank pas, vous l'avez vu, hein, Rosé il peut ne pas mourir sur certaines attaques, mais il prend quand même cher assez vite, hein. Rosé endurance, quelle que soit la forme, c'est un peu juste, enfin c'est même littéralement trop juste. Donc du coup, voilà, c'est chiant, on est un peu, voilà, on est un peu bloqué, on est un peu bloqué. Et le problème, c'est que si on commence à changer la team, à ramener des Gun Beasts et compagnie, bah, le problème, c'est qu'il faut pas jouer Rosé, parce que Rosé va perdre des stats, il va perdre de la réduction, donc on va être dans la merde aussi. Donc en fait, bah du coup, ça sert à rien. Enfin, autant, du coup, on joue pas Rosé, quoi. Bon, en tout cas, Black Goku, super éveil, excusez-moi, mais. Mais bon, oui, il est pas parfait. Oui, d'accord, mais enfin, quand même, les gars, c'est fou ce qu'on peut faire avec, quand même. Hein. Pour un perso défense pure, on peut vraiment faire des dingueries avec ce personnage. Le seul truc un peu chiant, entre guillemets, c'est qu'il faut subir les fameuses 5 attaques. Suivant les combats, des fois, c'est un peu tendu, parce que si ça démarre trop violemment, ou s'il n'y a pas d'attaque, si t'as pas de chance, comme moi, ça m'est arrivé plein de fois tout à l'heure, ça peut être un peu chiant. Mais à part ça, en vrai, une fois que t'as subi tes 5 attaques... Même avec pas tant de kick ça, t'es vraiment solide, tu tabasses la gueule. Franchement, et c'est tout, quoi. Après, c'est assez simple, hein, je veux dire. Donc, voilà, super éveil, de qualité. De qualité, et en plus, ouais, quand tu commences à prendre en compte l'item mémoire, le terrain et tout, mais tu peux monter à des trucs, je parle même pas du full plateau avec Broly ou ce genre de trucs. Alors là, c'est de la folie, quoi. Donc, c'est fou de pouvoir faire certaines choses avec ce personnage, quand même. Vraiment c'est réussi. Alors oui, effectivement, sur le moyen long terme, il va plus mal vieillir que d'autres persos, parce que défense pure. Mais bon, on va pouvoir quand même en profiter un petit moment. Donc ça reste quand même vraiment cool, hein, dans tous les cas.